En janvier 2018, le stationnement payant ne sera plus géré par l'État, mais par les municipalités. On ne parlera plus d'amende, mais d'un forfait post-stationnement dont le prix sera fixé par les mairies. Elles pourront aussi bénéficier des retombées de ce forfait. Pour moi, c'est normal. Hein. Ce sont les communes qui doivent le récupérer. Absolument. Pourquoi c'est normal pour vous ? Bah parce que ce sont les communes qui ont l'entretien des parkings et qui ont la mise en place des parkings. C'est clair. Oui, je pense que la ville, probablement, y gagnera. Je pense que c'est ça. À Mâcon, les élus ont opté pour un forfait post-stationnement minoré. Si une personne oublie son ticket... On la verbalisera avec une amende de 20 euros, sauf si la personne veut régler tout de suite. Elle a un temps de 3 jours pour régler son amende. Elle sera minorée à 17 euros. Pour la municipalité, ce système permettra de fluidifier le stationnement et donner une meilleure rotation des places au centre-ville. C'est aussi un peu de recettes qui rentrent dans le budget. Cet argent servira à améliorer la mobilité urbaine et les transports urbains. C'est la priorité. Les horodateurs seront reparamétrés pour permettre les paiements immédiats. Les usagers pourront également utiliser leur smartphone ou se rendre au poste de police municipale.